N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la chaîne One Day News pour recevoir toutes les nouveautés. On commence. Dix jours après la disparition de Lina, l'enquête prend un nouveau tournant ce mardi 3 octobre. Alors que les investigations autour de la disparition de cette adolescente de 15 ans semblent stagner, BFM TV rapporte que des mesures sont prises pour intensifier les recherches. Une cellule d'enquête régionale spécifiquement dédiée à l'affaire de la jeune fille va être mise en place. Cette unité devrait être composée à terme d'environ 15 enquêteurs de la gendarmerie, avec l'appui de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, IRCIN, pour des renforts techniques, ainsi que des analystes du département des sciences du comportement. La création de cette cellule vise à regrouper des ressources humaines et techniques de différentes unités pour accélérer le déroulement de l'enquête, une lueur d'espoir après les commentaires de la procureure de Strasbourg, Yolande Renzi, fait la veille. La procureure avait indiqué que l'enquête se dirige désormais vers des investigations à long terme, suite à l'ouverture d'une information judiciaire pour enlèvement ou séquestration de plus de 7 jours et à la nomination de 2 juges d'instruction dans cette affaire. Toutefois, Yolande Renzi a rappelé qu'à ce stade de l'enquête, il n'existe aucune charge contre quiconque, et aucune piste n'est exclue ou privilégiée. Bien que pour l'instant aucune piste concrète n'émerge dans l'affaire, des éléments intrigants rapportés par les médias suscitent des interrogations. Une amie de l'adolescente a mentionné avoir reçu des messages inhabituels et étranges de sa part peu avant sa disparition. Un autre témoin a signalé qu'elle avait salué un conducteur de voiture avant d'y monter, alors qu'elle se rendait initialement à la gare pour rejoindre son petit ami. Quant à ce dernier, bien qu'il ne soit pas considéré comme suspect, certaines de ses déclarations ont soulevé des doutes, de même que certaines de ses actions inhabituelles. Cependant, ses comportements étranges n'ont pas conduit les enquêteurs à le considérer comme suspect jusqu'à présent.